Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Ô homme heureux, Joseph béni, à qui il a été accordé non seulement de voir et d'entendre le Dieu que beaucoup de rois voulaient voir et ne voyaient pas, voulaient entendre et n'entendaient pas, mais aussi de l'embrasser, de le baiser, de le vêtir et de le garder. Priez pour nous, béni soit Joseph, pour que nous soyons dignes d'obtenir les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Saint Joseph est arrivé à Bethléem, il a trouvé toutes les portes fermées et tous les corps fermés. Et il a dû se réfugier dans une grotte. Soyons forts dans l'adversité. Le plus grand de tous les saints, après la Sainte Vierge Marie, pour sa plus grande humilité, pour sa plus grande dignité, pour sa plus grande sainteté, pour son attention toute particulière à la personne du Fils de Dieu et de Marie très sainte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, mon aimable protecteur Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait convoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô Père virginal du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Jésus, Joseph et Marie, je te donne mon cœur et mon âme. Jésus, Joseph et Marie, assiste-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Joseph et Marie, que mon âme repose en paix avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.